Salut tout le monde, donc là je viens de me réveiller, je suis en train de déballer le matériel. Donc je vais partir de Biscarrosse, du camping de Biscarrosse. Donc c'était un camping qui fait le taf, hein, donc pas de soucis. Donc objectif de la journée, j'ai repéré 140 km, donc l'étape c'est Royan. Donc il faut que j'aille d'ici ce soir à Royan. Donc voilà, et c'est parti les amis! Bon, ça y est, je viens de quitter le camping là. Il est 8h30, j'ai une demi-heure de retard. J'avoue, je me suis un peu relaxé dans mon sac de couchage. Donc là, je pars pour Royan, comme je vous l'ai dit, 140 km. Donc ça va le faire sans problème. Et c'est parti, let's go! A day like always. Of course, you were you when it usually swallowed her tears. Cause what can you do? T'as qu'une seule envie, pardon, c'est de te baigner, quoi. Franchement, là, de Biscarrosse jusqu'à Royan, il n'y a que des beaux paysages. Là, c'est les plus beaux paysages que j'ai vus. Quoique, il y avait aussi de beaux paysages aussi avant. Mais là, avec ça, là, c'est vraiment quelque chose. Allez, on continue. C'est unique? Ouais. C'est la première planche qu'ils ont faite. Hein. Ah d'accord. Alors il faudrait que je m'achète aussi un truc comme ça. C'est la 001 ça. C'est dingue, hein, t'es aux Electric Games et je vois ça, je vois ça. Ah, ouais. Ben, j'ai pas roulé avec, hein, parce que en tout terrain. Parce que tu sens que le barjot là. Ah ouais, ça allait très très vite. Hein. Et j'ai pas envie de me faire. Ah tu le problème c'est que tu veux essayer d'aller vite et tout ça et c'est bon pour te faire mal. Quoi, donc, ah ouais, te faire mal et faire mal. Ouais. Ouais. Plus, j'espère que ça vous a plu, hein. Ce petit parcours avec le skate électrique, super, c'était génial. Et maintenant vous savez quoi, il est l'heure de manger, de recharger un petit peu, parce que il m'a dit que ça montait, ça descendait. Donc je vais manger ici les flots bleus, c'est parti. En fait c'est une douille internationale là, parce que c'est le camping des flots bleus. Et en fait le numéro 17 là où ils sont campés là dans le film, bah c'est pas là en fait, c'est un autre camping. Mais apparemment, c'est plus du tout la même chose. C'est une douille internationale. Donc voilà, je suis installé. Donc j'ai mis à charger ma roue là-bas. Il y a un gamin qui garde ma roue, donc c'est gentil. Et là, je vais me poser là, tranquille. Je vais peut-être installer le hamac là. Il y a deux arbres, il y a plein d'arbres. Donc tiens, je vais faire mon montage là. Et je vais aller commander un petit truc au snack. Donc je suis au camping des Flots Bleus. Voilà, le bon spot, c'est vraiment les campings. Tu manges un petit truc et tu te poses et tu as de l'électricité à volonté. Et en plus, c'est génial, quoi. Tu profites des installations du camping. Donc, les campings en road trip,
c'est génial. Bon, je pars du camping, j'ai mangé, je vais lui rendre sa fourchette qu'il m'a prêtée pour la salade. Il est quelle heure? Il est 13h18, chargé à 100%, donc je vais faire du kilomètre là. J'ai perdu beaucoup de temps là, ah, c'était parce que je voulais profiter. Et la fourchette. Ah, c'était très bon la salade. Hein. Allez, salut et bon courage. Et merci. Hein. Au revoir les flots bleus. Ouais, et surtout, toujours on dit et merci. Hein, toujours. Et merci. Allez, je reprends la route. Direction la Vélodyssée. C'était galère. Bonjour. Ils sont mignons. Ouais, je sors d'Arcachon là. C'était galère. Franchement, hey, je me suis trompé plein de fois. Je me suis trompé. Oh là 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 là. Ah, j'ai perdu beaucoup de temps dans ce merdier. J'avais du mal à retrouver la Vélodyssée parce qu'il y a plein de pistes cyclables. Ah là 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 là. Donc là, c'est bon. Je suis sûr. Oh, c'est quoi ça? La combranche? Ok. Donc là, il y a. Il y avait plein de pistes cyclables, donc du coup, tu savais jamais laquelle prendre, et je perdais le filon à chaque fois. Mais bon, là, je suis sur le bon chemin, je suis un petit peu à la bourre, là, j'ai fait, il est quelle heure? Il est 14h37, j'ai fait 73 km, on peut enlever 10 km, malheureusement. Ah non, quand même pas, 5 km, allez. Allez, ça continue pour mes 140 km, mais c'est sûr que je vais arriver à Royan. Ce soir, j'arrive à Royan, minuit, 1h du matin, 2, 3, 4 heures, je m'en fous. J'arrive à Royan, c'est sûr et certain. Allez, go! Je me trouve au Cap Ferret, donc à 35 km de Lacano. J'ai mal au pied, j'avoue, j'ai mal au pied. J'ai fait 120 km là. Je pensais aller jusqu'à Royan, mais ça va être compliqué. Sur l'application, quand j'étais à Biscarrosse, je voyais 140 km. Mais c'est chelou, hein. Je suis déjà à 120 km. Donc je pense que je vais m'arrêter à Lacano. Voilà, j'aurais fait 150-160 km ou avant, je sais pas parce que j'aimerais bien faire la côte là tout en bas là. Alors, on m'a dit qu'elle était bien, donc je pense que je vais le faire. Voilà, allez. Ah oui, et autre chose, j'ai plus beaucoup de batterie là, j'ai 30% de batterie, donc du coup c'est la première galère. Je suis dans la galère, donc je vais aller doucement là, en plus je suis en pleine forêt, donc voilà, donc je vous tiens au courant les amis. J'ai trouvé une prise électrique ici, donc la dame est très gentille, m'a laissé recharger. Très gentil à elle, et donc du coup là moi je vais me poser tranquille, je vais attendre une heure et demie ici là, et je suis bien, je vais me poser, je vais faire du montage, tiens, je vais me reposer, parce que j'ai vu qu'il y avait des transats là, c'est pas mal, j'ai de la chance hein, finalement, je tombe pile poil au bon moment, merci bien, merci à tout le monde, bravo, super. Merci.
Eh ben, bonnes vacances à tout le monde. Et merci, hein. Salut. Voir du trône maintenant. C'est fou. Il y a de l'ambiance ici. Hein. Il y a de l'ambiance. Ah, je suis toujours pas au dormir. On s'y lève,